Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du thème de l'avantage d'espace aujourd'hui et cette vidéo est une introduction à une masterclass que je donnerai à la fin du mois de novembre, le mardi 28 novembre à 21h. Donc vous avez le lien dans la description, je vous remettrai aussi l'annonce à la fin de cette vidéo, j'en reparlerai. Pour cela nous allons voir une partie qui a été jouée au championnat d'Europe par équipe qui s'est terminée simplement hier. L'équipe de France qui était privée malheureusement de ses deux meilleurs joueurs, Maxime Bachelagrave et Etienne Bacro. Donc évidemment c'est plus du tout la même équipe, ça reste une forte équipe. On était tête de série numéro 12 sur la ligne de départ. On a un peu moins bien joué que notre niveau, on a fini 20e. Bon, voilà, le niveau est relevé et les équipes se valent à peu près toutes. On a joué beaucoup de matchs très serrés, on a gagné certains, on a perdu d'autres. Bon, c'est contre certaines équipes on était plutôt outsider. Des équipes qui ont des joueurs de 2700, forcément ils sont légèrement favoris contre nous, même si notre équipe est très homogène. Bon, voilà, on peut comprendre que Maxime Bachelagrave et son entraîneur, comme on peut dire son secondant Étienne Bacro, se concentrent sur leur objectif de l'année, qui est le tournoi du Grand Prix qui va débuter prochainement en Espagne. Donc nous allons voir une partie qui a été jouée dans un match de l'équipe de France contre Israël, un match qui a été gagné par Israël, Israël qui est mené par Boris Gelfand depuis longtemps, un joueur du top mondial. Et puis ce jeune grand maître Maxime Rothstein, qu'on avait vu dans une vidéo avec une très très belle victoire contre Adams, c'était il y a quelques semaines, je pense que c'était à la Coupe du Monde au mois de septembre. Et donc il est 2699, bon il a déjà dépassé les 2700, c'est un grand maître vraiment redoutable. Clairement un membre du top 50 mondial, sans discussion possible. Et Christian Bauer que j'aime beaucoup, j'ai commencé les échecs en 1996, l'année où il a été champion de France, je crois qu'il était âgé de 19 ans, par la même occasion il est devenu grand maître. Sauf erreur de ma part, et donc j'étais fan de ce joueur, et je suis toujours fan de ce joueur, parce que j'adore son jeu original, toujours des ouvertures sympathiques. Par exemple, hier, contre Duda, il a joué E4, C5, cavalier A3. Voilà, j'aime ce joueur qui joue des ouvertures souvent exotiques, et on avait parlé récemment des ouvertures exotiques à l'occasion du championnat du monde des ordinateurs qui a lieu en ce moment. Eh bien, il n'y a pas besoin de regarder les parties d'ordinateur pour voir des choses inhabituelles. Il suffit de regarder les parties de Christian. Voilà. Donc, j'aime beaucoup aussi tout simplement son jeu en général, sa créativité. Voilà, donc super joueur. Et malheureusement, ici, il va être du mauvais côté de l'échiquier. Mais voilà, j'aime aussi beaucoup Maxime Rothstein, j'aime bien son style entreprenant. Donc on a une partie ici entre deux joueurs très entreprenants, donc ça devrait donner. Il y a eu cavalier F3 de la part de Christian Bauer, T5, donc il peut jouer toutes les ouvertures, hein, joueur français. Et Maxime Rothstein qui est sans doute beaucoup plus classique dans les ouvertures, je crois que c'est un joueur de catalane, enfin je sais pas si il la joue toujours, mais, par exemple, voilà. G3, je connais pas trop son répertoire. Peut-être il joue la Grünfeld. Il joue E4-5. Peut-être. Je connais pas par cœur son répertoire. Mais je crois que c'est un joueur plutôt classique. Donc les blancs font cavalier F3, G3. Je joue bien sûr fou G2. Plutôt dans un style Réti. C'est-à-dire qu'on laisse le centre à l'adversaire. Pour l'instant, les noirs ont mis un pion dans le centre. Alors c'est ça un peu la conception. C'était une conception hyper moderne à l'époque, au début du XXe siècle, imaginée notamment par Richard Réti, mais aussi par exemple Nimzowitsch, qui lui aussi prenait des ouvertures comme ça, où on contrôle le centre à distance et on ne met pas de pions dans le centre. Évidemment, le docteur Tarrasch n'était pas content, il disait « faut mettre des pions dans le centre aux échecs ». C'était le combat d'idées. Maintenant, on sait que les deux conceptions sont tout à fait valables et souvent, il y a des combats entre les deux pendant les parties. Et là, c'est déjà le cas au niveau de cette ouverture puisque les noirs ont mis un pion dans le centre. Donc déjà, ils ont un peu plus d'espace. Alors, les blancs peuvent tout de suite, s'ils ont envie, s'opposer hein, avec pion D4. Mais voilà, c'est pas la conception de l'ouverture Réti. On va plus retomber dans une catalane si on joue pion D4. Pas encore tout à fait, mais on n'est plus si loin. Et alors, les noirs décident de jouer G6. Coup très intéressant. Car après fou G2 qui n'a pas été joué dans la partie mais qui est très normal, fou G7, et bien les noirs menacent de mettre un deuxième pion dans le centre avec E5,
ce qui oblige les blancs à faire quelque chose. Soit D4, mais c'était pas forcément leur idée s'ils voulaient jouer une rétie, soit C4 pour s'en prendre au pion en D5. Et on pourrait imaginer déjà, par exemple, le coup D4, qui fait partie des coups répertoriés ici, avec les noirs qui ont avancé ce pion ben, finalement dans le camp des blancs, et donc qui ont déjà pris beaucoup d'espace, qui peuvent éventuellement continuer avec E5, éventuellement avec C5. Bon, C5, c'est pas nécessaire, c'est possible, sinon juste cavalier C6. Et voilà, déjà de l'espace pour les noirs. Dans cette partie, il n'y a pas eu fou G2, il y a eu C4. Attaque le centre. Voilà, de même ici, les noirs pourraient tenter le coup D4 pour la prise d'espace. Ça n'a pas été le choix de Rothstein, notez que pas. Ici, les blancs pourraient jouer, par exemple, le coup B4. Hein. Alors ça nous fait un peu penser à une ouverture de type Benko à l'envers. Hein. Donc on va essayer de faire fou B2, de type Blumenfeld aussi, avec un E3 pour attaquer ce centre. Donc voilà, ça c'est typiquement idée de Réti, idée d'ouverture Réti, c'est-à-dire qu'on dit, d'accord, vas-y, t'as mis ton pion dans le centre, et moi je vais t'attaquer, et je vais essayer de te miner ton centre. Il n'y a pas eu D4 dans cette partie, Rochat a décidé de prendre en C4. Voilà, alors on pourrait dire que c'est presque réussi déjà de la part des blancs, puisqu'ils ont dévié le pion du centre en le faisant prendre en C4. Mais bon, c'est un choix délibéré de la part des noirs, bien sûr. Ici, il y a eu dame à 4 échecs pour reprendre le pion par cette double attaque. Un autre coup assez classique de ce type de position rétie avec pion en C4, c'est cavalier A3 pour reprendre le pion également. Et si les noirs s'accrochent au pion avec des coups comme fou E6 ou dame D5, c'est pas forcément très recommandé pour eux parce que les pièces seront assez mal placées. Oui, je vois que ça a déjà été essayé un petit peu par la théorie de dame D5, mais de mémoire. Bon, déjà, au pire, les blancs peuvent quand même reprendre le pion en faisant un échec, en faisant... Bon, par exemple, dame prend C4. Je vois qu'on peut aussi attendre, pourquoi pas. Hein. On peut continuer. Et s'ils s'accrochent, on développe. Et regardez, les blancs ont quand même beaucoup développé. Je vois que ça continue une théorie avec ça. Et finalement, on joue B3 pour attaquer ce pion. Et ça serait assez périlleux, bien sûr, de la part des noirs de prendre B3. Mais là, on s'éloigne beaucoup du sujet. Donc simplement, on imagine que ici, peut-être il y aurait fou B2 déjà pour commencer, parce qu'on gagne un tempo sur la tour. Et ensuite, des complications sur le roi. On imagine déjà, on a ouvert la colonne C, on est en train d'ouvrir peut-être la colonne B, peut-être la colonne A. Attention au fou qui est en face sur la diagonale, des coups comme cavalier B5, des coups comme cavalier E5. Maintenant qu'on a joué fou B2, en fait, ça l'histoire, c'est par exemple cavalier là. On peut jouer cavalier D4 ou cavalier E5. Bon, cavalier 5, c'est normal. Et on va taper sur C6. Donc ici, on comprend que les noirs sont en très mauvaise posture. Donc on peut montrer par exemple que dame A5 pour espérer échanger les dames, ça perd une pièce probablement. Après, fou prend C6 puisque la dame est privée de sa protection. Un thème qu'on avait vu dans une vidéo que j'avais publiée il n'y a pas très longtemps qui était des déclinaisons tactiques. Il y a des moments on prenait une pièce et on s'en allait ensuite par exemple comme ça, hop, le fou il s'en va et on a gagné une pièce au passage. Bon, j'ai fait une longue digression sur cette variante cavalier A3. Dans la partie de lui, dame A4 échec, cavalier C6, il développe son cavalier. Dame prend C4, on va voir pourquoi. Parce que faut faire attention hein, dans ses débuts du pion dame. Bon, il n'y a pas encore eu D4, mais il y a eu D5. Le cavalier, souvent on conseille de ne pas le mettre devant le pion C parce qu'on a besoin du pion C, soit pour faire C6, pour tenir le centre ou s'opposer au fou en G2, soit pour faire C5, pour venir attaquer un pion en D4, mais là il n'y en a pas, ou contrôler la case D4. Et seulement après cavalier C6 dans ce cas-là. Mais là c'est pas tout à fait pareil, et il va jouer cavalier C6 tout de suite, dame prend C4, et fou G7 qui est très naturel bien sûr. Et regardez maintenant, les noirs contrôlent 3 fois la case D4, donc les blancs ne peuvent pas jouer le coup par exemple D4 qui aurait été un très bon coup. Et donc on se retrouve dans ce combat de conception. Les blancs, regardez, c'est assez inhabituel. Hein. Ils ont leurs deux pions centraux sur la case départ. D2, E2. Et ils peuvent pas vraiment avancer de deux cases. Donc D4, on a dit que c'était impossible parce que c'est surveillé par les pièces noires. Et alors E4, c'est le coup le plus horrible de la position. Hein. Surtout ici, ce serait une catastrophe. Hein. Ça me choque d'en parler. Ça me choque de parler de ce coup. Donc, mais c'est important d'expliquer pourquoi c'est très mauvais. Donc ici, on vient d'abandonner tout simplement deux cases très importantes de la position. La case D4, on ne peut plus du tout surveiller, puisqu'on ne peut plus faire E3, par exemple. Et on n'a plus de pion en C2 pour faire C3. Et la case D3. Donc on vient de donner deux cases à l'adversaire, potentiellement. C'est très très grave. Et en plus,
Il pourrait jouer un moment E5 si nécessaire pour fixer ce pion sur la case E4 et du coup le fou G2 qui on va pas se mettre ailleurs hein. Quand on a fait G3 faut faire fou G2, faut pas changer d'avis parce que par exemple si on joue allez, disons E5, disons qu'on change d'avis, on joue fou E2. Bon bah déjà il faut surveiller des coups comme fou H3 et on peut pas roquer. Donc on est déjà en train d'être asphyxié juste parce qu'on n'a pas mis le fou dans le fianchetto. Donc fou G2, d'accord? Et maintenant le fou, bon ben il est bloqué par son pion E4 qui lui-même est bloqué par un pion E5. On n'a pas la case D4, on n'a pas la case D3. Bon, c'est la catastrophe. Déjà, regardez les noirs, ils pourraient envisager une infiltration sur la case D3 de temps en temps. Avec des coups comme dame D6 qui avait les B4 qui avait D3. Ben, des choses comme ça. Fou E6. Bon, c'est la catastrophe. Raison pour laquelle, bien sûr, Christian Bauer a joué D3. Il aurait pu jouer fou G2, bien sûr. Mais il a une petite idée en tête. E5. Voilà. Et son idée. Alors, c'est très intéressant la situation après 6 coups. C'est cette position. Donc, les noirs ont mis un pion dans le centre. Ce n'est pas le cas des blancs. Donc, on continue dans le combat de conception entre les blancs qui ne veulent pas forcément mettre de pion dans le centre pour l'instant et qui préfèrent attaquer les pions adverses qui arrivent dans le centre. Comme c'était le cas avec pion C4 qui attaquait le pion D5, et aussi avoir un fort fou en G2 sur cette diagonale, grande diagonale. Conception typique de Réti, de Catalane aussi, qu'on retrouve. Voilà, et alors, une petite question, c'est pour le fou en C1, on sait que les Réti aiment bien aussi faire B3 fou B2, mais quand il y a un fou qui s'est installé très vite en face en G7, et donc on peut conseiller de jouer souvent des fianchettos rois côté noir contre des Réti. Eh bien, ça rend quand même plus problématique l'installation d'un fou en B2. Évidemment, ici, si on joue B3, on se prend E4 et on a l'air très très fin puisqu'on a un cavalier en prise et une tour en prise. Malheureusement, ce cavalier ne peut pas venir sur ces cases pour s'opposer puisque c'est un total contrôle de la part des noirs, comme vous remarquez. Donc, ça, bon, ben, ça perd une pièce, bien joué. Donc, on ne peut pas faire B3. Et du coup, c'est pas si facile de trouver une utilité pour ce fou. Pas évident. Et alors, il y avait quand même une idée en tête de la part des noirs qui était de jouer de la part des blancs, pardon. Donc, Christian, oui, il a préparé sans doute cette position et je pense qu'il avait préparé jusqu'au minimum ici et sans doute encore un peu plus loin. Jouer cavalier G5. Il faut faire une remarque classique ici, c'est que les noirs, après avoir joué E5, va jouer fou E6. Pourquoi ils ne jouent pas avant fou E6? Bien. La dame va s'en aller, où elle va aller, difficile à dire, peut-être elle va aller en A4, et ben le fou est pas si bien placé que ça devant son propre pion central, lui-même est pas incroyablement positionné, et puis il peut se faire parfois embêter par le cavalier. Donc ici, c'est pas une bonne idée de jouer comme ça avec les noirs, il faut d'abord faire pion E5. En plus, il verrouille la case D4 hein, avec pion E5, maintenant il contrôle 4 fois la case D4, imaginez, avec son cavalier, son fou, sa dame et son pion. Et il menace fou E6 donc. Et voilà pourquoi Bauer joue cavalier G5. Aucune menace très discrète au passage. Menace de mat en un coup. Une sorte de mat du berger mais avec un cavalier. Donc surtout il empêche fou E6. C'est l'idée principale. Voilà. Donc les noirs doivent se défendre. Alors j'ai vu une très très belle partie entre Vaganian et Toukmakov qui était joué en rapide en Espagne en 1988. Toukmakov qui est un joueur très... Comment dire? Classique, on va dire, et un grand maître très connu, et surtout qui est un entraîneur maintenant très, très fort de l'équipe nationale. Je sais pas exactement quelle équipe nationale il a entraîné, plusieurs différentes, je crois, peut-être l'Ukraine. Et Dame E7, il avait joué, et il avait fait un sacrifice de pion. Si vous êtes intéressé pour aller découvrir une partie supplémentaire, je vous invite. Allez la voir, peut-être j'essaierai de mettre le lien dans la description si elle est sur Chess Games par exemple. Alors oui d'ailleurs à propos de cette partie, le résultat final s'est écrit 1-0, mais peut-être c'est mal encodé parce que les noirs avaient l'avantage dans la position finale. Donc soit c'était plutôt accordé pour. Ils sont plutôt accordés pour la nulle, ou bien c'était plutôt une victoire des noirs. Après, c'était une partie rapide, donc est-ce que le joueur du noir est tombé? Peut-être qu'il n'y avait pas d'incrément en 1988, peut-être qu'il est tombé autant, c'est possible. Bon, fini pour cette digression de Dame 7, Rothstein a choisi cavalier H6 pour défendre.
Le pion F7 est préparé, le petit roc. Cavalier C3, cavalier D4, allez, on va avancer un peu dans cette partie. Attention, bien sûr, menace de fourchette. Et vous pouvez mettre la pause si vous voulez chercher comment gérer cette fourchette. Alors, il y a plusieurs façons, mais la plus utile, ce serait cavalier B5, c'est ce qu'il a joué Christian, puisqu'en même temps, il veut se débarrasser de ce fort cavalier en D4, et il menace une fourchette en C7, donc les noirs n'ont pas un choix énorme. Alors que si on joue... Bon, déjà, c'est pas si facile de tenir la case, mais si on joue cavalier D5, par exemple, on s'expose à un C6. Si on joue cavalier E4, ça risque d'être un peu l'embouteillage aussi. Et on s'expose à certains coups comme B5, on doit faire très attention. D'ailleurs, peut-être ce coup était très fort aussi sur cavalier D5. Mais on reverra cette idée un peu plus tard. Voilà. Donc cavalier B5 pour éliminer ce... Voilà, si vous avez fait dame échec, c'est pas non plus incroyable, car après fou D7, la dame doit surveiller la case C2, donc elle doit revenir sur la case départ. Et c'était vraiment pas l'idée d'avoir joué dame à 4 échecs, dame prend, dame à 4, dame D1. On a quand même fait un double aller-retour. C'est très chronophage. Donc cavalier B5, bien joué. Petit roc bien joué de la part des noirs. Cavalier prend D4 pour éliminer ce cavalier. Bon, si on va chercher... Alors déjà, on peut pas prendre de la dame, bien sûr, puisqu'on perd le cavalier. Donc là... On perd juste une pièce. Si on prend du cavalier, c'est très dangereux. Parce qu'on a le roi encore en plein centre. Il y a cette menace de cavalier C2 qui traîne. La dame n'est pas stable. Le cavalier n'est pas stable. Limite, l'autre cavalier n'est pas stable non plus. Puisqu'on ne peut pas facilement faire E3 par exemple. Parce qu'on bloque la défense. Donc, c'est extrêmement périlleux de jouer ça. On doit sentir qu'on n'est pas en position d'aller chercher un pion comme ça avec un cavalier. Alors qu'on est ultra pas développé, on n'a même pas encore fait fou G2, ça veut dire qu'à des moments on peut se prendre des attaques sur la tour, comme un peu dans le vent tout à l'heure qu'on a vu de cavalier A3, c'était la tour noire qui se faisait attaquer, rappelez-vous. Et bien là c'est la même chose, et alors on peut jouer déjà juste tour B8 avec les noirs, on a une très très bonne position, c'est très dangereux cette position pour les blancs, mais sinon on peut aussi jouer des coups beaucoup plus agressifs comme B5, coup génial. S'il prend B5, j'ai pas vérifié, mais je pense que l'idée c'est faire dame à 5 échecs. Attention à la double attaque. Et si on fait le coup classique cavalier C3 pour se protéger, eh bien cette fois il y a la fourchette en C2. Donc on est vraiment. On perd du matériel. Donc on peut jouer un coup de dame. D'accord. Si on joue dame C3, par exemple, il peut nous harceler avec B4. Et si on prend, c'est la fourchette royale. Du coup, on doit repartir, on doit trouver des cases, c'est désagréable. Sur B5, on peut jouer dame C5, et il peut jouer fou B7, voilà, attaque la tour, prépare tour C8, le cavalier risque d'être perdu par un clouage. Bon, c'est perdant. Hein. Vous allez me dire, il peut prendre A8. Dans ce cas-là, j'imagine qu'il prend H1. À moins qu'il préfère des coups très très intéressants comme dame prend, attaque cette tour, et si elle s'en va, tour C8. La dame s'en va, on fait une fourchette. C'est la catastrophe. Par exemple, voilà. Donc, cavalier prend C7 ici, vraiment, c'est autodestruction. Donc, le grand maître français a joué cavalier prend D4, fort logiquement. Elle a eu, puis on prend D4. On peut faire un petit point ici sur la situation et on va tourner le jeu. Parce que, de plus en plus, on préfère la position des noirs avec l'espace. Donc, regardez, ils ont un pion qui a avancé carrément. Il a dépassé la ligne médiane. Donc il est dans le camp des blancs, fait qu'il gêne un peu les blancs au niveau du développement. Et surtout, il arrière le pion en E2. Voilà, donc on va probablement, à un moment donné, mettre une tour sur la colonne semi-ouverte pour pressuriser ce pion en E2 qui va avoir des difficultés à avancer. Hein. Donc c'est un peu comme tout à l'heure, quand j'ai parlé du coup E4 qui était très très moche. En général, on essaye de ne pas faire G3 avec E3 ou E4 parce que ça ne va pas ensemble. Le fou, quand on a fait G3, on lui a dit tu vas te mettre en G2. Et si on joue E3 ou E4, on lui dit ah non, finalement tu vas te mettre en E2. Et lui, il dit mais vous vous moquez de moi, je dois aller plutôt en G2 ou en E2. Et ça, c'est vraiment, il faut éviter. Donc, dans la construction dragon par exemple, on met le fou en fianchetto et on garde la chaîne de pions comme ça. C'est pareil dans la construction Benko par exemple. Et surtout on nous dit faites attention avec le pion E, essayez de pas le bouger ou alors faut vraiment avoir une bonne raison. Bon, et dans d'autres aussi ouvertures on a aussi cette construction. L'anglaise par exemple, je pense. Certaines anglaises. Voilà. Bon, et là,
Donc l'idée, ça va être très dur d'avancer le pion E et il va se retrouver arriéré pour longtemps. Donc un bel avantage d'espace central pour les noirs qui risque de durer assez longtemps dans cette partie. Même si le fou en G7 est bloqué par son pion et que le cavalier F5 fait pas grand-chose, même s'il revient sur F5, il ne fait pas non plus toujours grand-chose, malgré ça, on préfère les noirs ici grâce à ce bel avantage central. Les blancs jouent fou F4, attaquent le pion C7, pion C6 pour protéger tout simplement. Le fou vient enfin en G2. Le cavalier qui était sur le bord a fait son travail en défendant F7. Maintenant, la tour a pris le relais, donc il revient près du centre et les blancs en roquent. Si on regarde juste la position comme ça, la position blanche, on se dit c'est pas mal. Les pièces sont plutôt actives. Bon, ça n'a pas l'air si mal, la structure est solide. Et en vérité, c'est trompeur. Et les noirs vont maintenant repousser justement plusieurs pièces blanches. Et du coup, les blancs vont se retrouver avec des pièces pas très actives et un manque d'espace. Alors, H6. Cavalier s'en va. Fou E6, voilà. Donc le cavalier, il empêchait fou E6, maintenant que les noirs l'ont enlevé. Fou E6, très bon coup de développement, on gagne un coup sur la dame. La dame attaque le pion B7. C'était un peu mieux de faire dame C2. Dame B4 a été jouée, pion B6 tout simplement. On se réserve l'idée de faire C5 éventuellement. Dame A4 attaque le pion. Et il aurait pu probablement faire différents coups ici, il a choisi fou D5. Voilà, il décide de jouer simplement, c'est-à-dire qu'il protège son pion et il s'oppose au fou G2, une pièce qui aurait pu être éventuellement forte côté blanc, dans ce type de situation d'ouverture rétine. Les blancs jouent un naturel tour FC1, une tour sur une colonne semi-ouverte. Fou G... Non, pardon. Pion G5 attaque le fou F4. Voilà, alors il se permet, voilà, bon, il a joué de manière assez classique, hein, Rocheteigne dans cette ouverture. Il a mis son pion dans le centre, il a avancé en D4, enfin il a repris en D4 ce qui a avancé son pion au centre. Il a développé. Bon. Et maintenant, il voit qu'il potentiellement il peut être mieux parce qu'il a plus d'espace au centre. Souvent, le joueur qui a plus d'espace au centre peut essayer d'en profiter. C'est une thématique qu'on développera dans la masterclass du 28 novembre, si vous êtes intéressé par cette thématique. Et il y a plein de petites thématiques autour, au niveau de l'espace. Par exemple, même, on verra comment l'espace peut être utile en finale. Comment on doit jouer quand on a plus d'espace, comment on doit jouer quand on a moins d'espace. Voilà, des questions qu'on retrouve assez souvent dans les parties. Et alors ici, le joueur qui a plus d'espace, souvent, il peut se permettre plus de choses que son adversaire. Et Rocheteigne se permet de faire G5, c'est-à-dire qu'il avance quand même un pion du roque de deux cases, enfin d'une deuxième case en tout cas. Le fou n'a pas d'autre case que D2. Et ici, cavalier E7. Maintenant, j'ai envie que vous mettiez la pause et que vous décidiez quoi jouer avec les blancs. Et je vous demande d'être très attentif. Alors, j'espère que vous avez vu que les noirs menacent de gagner une pièce. Si ce n'est pas le cas, eh bien peut-être vous allez perdre une pièce. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. Le cavalier recule, cavalier E7. Faites très attention quand votre adversaire recule une pièce, car vous pouvez perdre en vigilance et vous dire, bon bah il s'en va, bonne nouvelle, il rentre chez lui, il recule, excellent, il a peur de moi, peut-être vous vous dites, peut-être vous dites, il est sur la défensive, il se replie, excellente nouvelle. Et vous ne vous méfiez plus. Mais il y a souvent des coups d'échecs qui reculent mais qui menacent des choses quand même. C'est le cas ici. Cavalier E7 menace F5. Gagne une pièce car le pauvre cavalier E4 centralisé n'a pas de case. Les noirs contrôlent un peu toutes les cases avec leurs pions notamment. Et avec leurs pièces. Et c'est l'embouteillage aussi côté blanc pour revenir en arrière avec le cavalier. Donc faites très attention. J'espère que vous n'avez pas perdu une pièce. Deux choix ici pour Christian Bauer principalement. Il a joué fou E1 pour libérer la case D2 pour son cavalier, mais évidemment, c'est pas actif de mettre le fou en E1. À la limite, il fallait tenter F4, qui crée une autre case en F2 et qui combat un peu pour l'espace, parce que les pions blancs, si vous remarquez depuis le début de la partie, enfin ici en tout cas, il n'y en a aucun qui est plus avancé que la troisième rangée. Donc, ce serait une bonne idée à un moment donné d'en avancer au moins un. Pour combattre un peu pour l'espace. Et même si c'est un pion du roque,
F4, c'était plus résistant. Il y a eu fou E1. A5. La parole Rothstein. Alors Rothstein, il décide finalement de prendre aussi de l'espace à l'aile dame. B4, ça y est. Christian Bohan combat pour l'espace aussi au niveau de l'aile dame. Il y a eu F5, attaque ce cavalier. Cavalier n'a qu'une case. Il y a eu B5, attaque la dame. Regardez comme les pions noirs avancent partout. Sur l'aile dame, au centre, c'est déjà avancé. Sur l'aile roi, il prend l'espace sur les trois secteurs du jeu. C'est quand même extrêmement rare. Hein. On rencontre souvent une prise d'espace sur un ou deux secteurs. Mais alors sur les trois secteurs, c'est-à-dire aile dame, aile roi et le centre, ça c'est plus rare. Donc la dame va en C2. Sur dame A3 qui continue à protéger le pion en B4, il y aurait eu simplement A4. Et on se rend compte ici à quel point les pièces blanches sont passives et gênées à la fois par les pions blancs et les pions noirs. Il y a eu dame C2 qui est intéressant parce qu'il veut sacrifier le pion en B4. Ça a été pris de la part des noirs. Essayer de faire cavalier B3. Voilà, il a joué cavalier B3 pour reprendre ce pion avec le fou et venir essayer d'installer une pièce sur la case C5. Très bonne nouvelle pour les noirs, ils échangent le fianchetto du roque des blancs, ce qu'on aime souvent beaucoup faire. Et là, elle a joué tour E8, bon, qui est un coup très classique, hein, puisqu'il se met sur la colonne semi-ouverte pour essayer de pressuriser le pion arriéré en E2. Sinon, la centralisation sur échec de la dame, c'était une bonne idée, en général c'est un bon coup. Ou bien cavalier D5, un coup plus délicat à juger, un coup de l'ordinateur. Sur dame prend C6, il propose cavalier C3. Et en fait, il lui dit, ben, je mets un fort cavalier en C3, j'attaque le pion E2, j'attaque le pion A2, je protège le pion B5. Si tu veux prendre mon cavalier, je vais prendre comme ça, probablement, et tu peux prendre peut-être B5, mais j'ai un super fort pion passé protégé en C3, et il estime que c'est intéressant, cette situation avec les noirs. Bon, difficile à dire, il... La préférée joue un coup classique tour 8. Bauer reprend son pion en B4. Le cavalier bondit sur D5 pour attaquer le fou. Protection par A3. Plutôt bien joué car en cas de cavalier prend fou, qui souvent peut être un avantage, A prend B, ça devient très intéressant pour les blancs puisqu'ils arrièrent maintenant le pion en C6. Et ce pion peut soutenir l'arrivée de certaines pièces en A5 ou en C5. Donc ici, ce ne serait pas recommandable de faire ça côté noir. Il ne l'a pas fait. Il a juste son pion en prise maintenant, donc il va juste le défendre avec tour C8. Roi G1, un coup prophylactique contre d'éventuels échecs sur la grande diagonale blanche. Et dame D7. Voilà, ici, on peut de nouveau marquer une pause et s'intéresser à cette situation. C'est une situation intéressante à analyser. Donc les noirs ont plus d'espace sur... les trois secteurs du jeu, comme on a dit. Encore sur l'aile dame, ça se sent pas trop. Parce que toutes les pièces blanches sont sur cette aile. Et c'est plutôt les blancs qui dominent cette aile. Même si c'est le pion noir en B5 qui est plus avancé. Malgré tout, les pièces blanches dominent énormément. Notamment la case C5 avec une quadruple protection. Et puis même, on peut mettre une pièce sur A5 si on veut. On peut jouer A4 si on veut. Enfin, il faut juste s'occuper du fou. Faut faire attention, bien sûr. Mais potentiellement, on pourrait enlever le fou et jouer A4. Bon, les blancs sont pas inquiets sur l'aile dame. Par contre, au centre, avec ce fichu pion en D4 qui est toujours très bien protégé par le fou et dur à attaquer, on peut. Voilà, si les noirs se font attaquer ce pion, ils ont de la ressource, ils peuvent enlever le cavalier pour défendre avec la dame, ils peuvent rajouter une défense avec la tour, vraiment si nécessaire, ils peuvent s'accrocher. Heureusement. Donc voilà, sinon ça aurait pu être une bonne stratégie côté blanc, c'est de se débarrasser de ce pion, ça aurait résolu une grande partie de leur problème. Donc dame D7, ça a fait quoi? Ça a relié les tours. Et puis il se prépare à se diriger vers certaines cases comme E6, F7, peut-être passer sur... Oula, H5, voilà. Et il surprotège le pion C6 qui fait jamais de mal. Donc, en fait c'est intéressant de se rendre compte que dans cette situation, les noirs commencent à avoir un très grand avantage. Il a beaucoup avancé. Et grâce à son avantage central, il a pu se permettre d'avancer quand même les trois pions de son roc. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui pourraient se dire « Attends, le roi noir, à mon avis, il est faible.
parce que les trois pions du roc ont avancé, le roc n'est pas du tout solide, donc le roi noir est faible, alors que le roi blanc est plutôt sécurisé avec ses trois pions très peu avancés du roc. C'est dur les échecs, hein, parce que c'est le contraire. Mais ce qui est très important, comment vous pouvez comprendre quand est-ce que c'est le contraire et quand est-ce que c'est valable? Aux échecs, quelque chose de faible, c'est pas par principe. C'est pas les pions du roc sont avancés, c'est pas le pion est doublé, c'est pas le pion est isolé, c'est pas le pion est arriéré, c'est pas la case est faible, c'est pas ça. Aux échecs, quelque chose de faible, c'est quelque chose qui peut facilement se faire attaquer par l'adversaire. Voilà, ça c'est la définition de quelque chose de faible aux échecs. S'il n'y a qu'une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est celle-là. Bon, si vous, quand même, on peut dire que la deuxième, ça serait bien de retenir, c'est quelles sont les conséquences d'un avantage d'espace. Et on va les voir. On commence déjà à les voir, mais on va les voir plus précisément. Grâce à cet avantage d'espace, il a pu avancer les pions de son roc. Et en vérité, s'il y a un roi qui est faible ici, c'est clairement le roi blanc. Pourquoi ? Parce que les pièces noires peuvent arriver sur lui, alors que les pièces blanches ne peuvent pas arriver sur le roi noir. Donc le roi noir est très sécurisé. Bon, juste on peut se dire... Peut-être c'est sur une diagonale un peu exposée. Mais imaginons qu'en le mettant H8, on ne voit pas comment les blancs vont venir l'attaquer. Les pièces sont très loin déjà. Elles sont toutes les 3, enfin toutes les 5 plutôt, sur les 3 colonnes ABC. Donc c'est très loin. Et pourquoi ça ne peut pas venir facilement? C'est gêné par les pions noirs, par la prise d'espace. C'est gêné par ses propres pions aussi qui n'ont pas beaucoup avancé. Au contraire, les noirs qui ont beaucoup avancé, regardez, si on essaye de colorier... l'espace pour les deux joueurs. C'est important, c'est quand même le thème principal de cette partie et c'est le thème de la masterclass de la fin du mois. Donc, essayons de mettre un peu l'espace des blancs. Bon, on peut dire quand même que ça c'est pour eux. La case C4, bon, elle est contrôlée par un pion et la case C3, elle se contrôle par un pion. Mais quand même, dans l'idée, cette zone qu'on colorie est une zone où les blancs peuvent plus ou moins naviguer avec leurs pièces. Même si on se rend compte quand même qu'il y a certaines cases qui ne sont pas disponibles, puisque les pions noirs ont beaucoup avancé. Et donc ça gêne un peu. Mais dans l'idée, même si on les enlève, voilà, on peut dire que ça c'est des cases en vert que les blancs peuvent utiliser pour naviguer avec leurs pièces. Et vous voyez qu'il y en a très peu quand même. On peut rajouter, ok, on peut rajouter la case des fins, la case des deux, voilà. Donc ça c'est, d'habitude l'espace c'est ce qu'il y a derrière nos pions. D'accord ? Et du coup, si on a très peu avancé, ben, on a très peu d'espace, on est serré. Ici, les blancs sont serrés. Ils ont fait une conception d'ouverture rétie, c'était leur conception de base. Hein. Ils ont dit, je vais laisser l'espace à l'adversaire pour mieux l'attaquer. Bon, manifestement, ça n'a pas réussi dans cette partie. Maintenant, on va faire l'espace des noirs. Donc, on y va, on fait les cases derrière les pions. Alors, quand il n'y a pas de pions, bon, ben, on peut aller jusqu'au bout. Hein. Là, la tour, elle vise tout ça. Hein. Bon, voilà, alors évidemment, on peut faire tout ça, on y va, on fait toutes les cases qui sont derrière les pions, et là, potentiellement, on peut aller jusque-là. Voilà. Et là, vous voyez quand même une différence flagrante, mais plus que flagrante, puisque on n'a pas, j'ai pas compté le nombre de cases, mais vous voyez déjà qu'il y en a au moins deux fois plus côté noir, peut-être même trois fois plus pratiquement. Donc les noirs ont entre 2 et 3 fois plus d'espace que les blancs, mais c'est surtout frappant au centre... Et allez le roi. Mais déjà au centre, c'est vraiment frappant, puisque on peut compter pour le coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases pour les noirs et 3 cases pour les blancs sur les colonnes D et E. On peut. D'accord, peut-être on compte pas la case E3, mais à moitié, parce que quand même, regardez, les noirs ils contrôlent 3 fois cette case et les blancs une seule fois. Bon, mais. Même si on l'enlève, ça fait 9 à 3. Ok, même si on enlève la case E4 qui est protégée par le pion, ça fait 8 à 3. Voilà. Donc, au-delà du nombre, parce qu'on ne fait pas comme ça aux échecs, on dit pas, on compte pas aux échecs, c'est pas vraiment une technique pour bien jouer aux échecs, mais des fois, on compte et on se dit, oula, il y a une grande différence. On peut... Après, c'est pas du calcul. Les joueurs, quand ils jouent, ils calculent pas, ils se rendent compte du potentiel de leurs pièces. Ils se rendent compte qu'ici, il y a plein de cases potentiellement pour bouger les pièces. Et ça, c'est un bel avantage. Grâce à ça, pourquoi j'insiste? Pourquoi je prends du temps? Pourquoi les minutes s'écoulent et je ne bouge toujours pas la suite de la partie?
Parce que ça va aller très très vite après. Très très vite. Mais il faut comprendre pourquoi ça va aller très vite. Pourquoi les Noirs vont déclencher une attaque tellement puissante que les Blancs vont rien pouvoir faire? Eh bien, c'est pour ça. Voilà, parce que leurs pièces circulent très facilement et potentiellement très rapidement, un peu partout. Parce que quand c'est central, l'avantage nous permet d'aller sur les deux ailes. Alors, les Noirs veulent pas aller faire du combat à l'aile dame ici. Ils veulent pas tenter de combattre les cinq pièces blanches à l'aile dame. Ils comprennent que c'est plutôt favorable aux Blancs dans ce secteur. Par contre, ce qui intéresse beaucoup, c'est le roi abandonné. Et on voit souvent ça dans des parties de Kasparov. Si vous allez voir par exemple la série de la chaîne Blitzstream sur les parties de Kasparov, vous allez rencontrer sans doute plusieurs parties où le roi de l'adversaire de Kasparov est délaissé par ses pièces. Et Kasparov, il amène toutes ses pièces sur le roi et évidemment, il finit par un échec et mat. Donc, ici, on va voir comment ça va se passer. Premièrement, les blancs jouent tour E1, qui n'était pas la meilleure idée. C'était mieux au moins de mettre le cavalier en C5. Au moins une pièce qui dépasse la moitié du jeu. Et la dame allait aller sans doute en F7, puis essayer de se diriger sur G6 ou sur H5. Peut-être jouer F4. Évidemment, les noirs ont un avantage. Et ça va quand même être dur pour les blancs. Mais c'était une meilleure défense. Après, tour E1, regardez la tour. Elle vient défendre le pion arriéré, mais elle joue pas du tout. Elle est extrêmement passive. Donc les pièces blanches vont être particulièrement gênées par leur pion ici pour venir défendre leur roi. Elle commence à venir la tour, elle comprend que s'il y a potentiellement du danger. Mais c'est trop tard. F4, coup très puissant, très naturel d'attaque, libère la diagonale pour la dame, cavalier C5, et la dame vient sur H3. Et vous savez quoi? Ici, les blancs sont totalement perdants. L'attaque des noirs est beaucoup trop puissante pour être repoussée, même avec l'aide d'un ordinateur à 3200 ELO. Voilà. Pourtant, visuellement, on ne se dit pas qu'il y a forcément énormément de pièces pour l'instant noires près du roi blanc. Et on se dit que les pièces blanches peuvent quand même revenir peut-être pas trop difficilement, que la dame n'est pas si loin, que le fou peut peut-être revenir un moment. Mais, en fait, il y a un problème d'espace, ces pions gênent, donc on ne peut pas revenir facilement, et les pièces noires arrivent très très vite, le cavalier arrive très très vite dans l'attaque, le fou arrive très très vite dans l'attaque, la tour est déjà là, et elle peut venir aussi très très vite, même l'autre tour pourrait venir en deux coups par exemple dans l'attaque. Alors, accrochez-vous, ça va aller très très vite. Donc, les blancs jouent cavalier E4 pour amener une pièce en défense, c'est naturel. Et là, je vous invite à mettre la pause pour chercher comment Rothstein conduit l'attaque. Si vous avez un niveau, disons, de plus que 1800 Elo, je vous invite à chercher la variante le plus loin possible que vous pouvez. Si vous faites un bon exercice, vous pouvez presque trouver la variante jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Donc, sachant que vous avez plusieurs possibilités pour gagner, donc vous avez plus de chances d'en trouver au moins une. Donc il y a au moins deux coups gagnants ici, clairement gagnants pour les noirs. Voilà. Alors on y va. Quand j'ai mis cette position, j'ai posé la question à un élève et j'attendais de lui qu'il trouve la réponse qui a été jouée dans la partie, le coup qui a été joué dans la partie. Il m'a donné un autre gain qui était très convaincant. C'était G4. Voilà, l'idée est très très basique mais très dure à contrer, c'est faire F3 pour faire mat en G2. Ici, par exemple, impossible pour les blancs de faire F3 eux-mêmes, puisqu'après cavalier E3, attaque la dame et menace mat. On peut faire échec, mais après roi H8. Comment on va faire pour enlever dame G2 mat? Bah, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas de solution. Voilà. Donc, après G4, c'est très dur. Par exemple, on peut faire dame D1 pour empêcher F3, mais il y a une deuxième idée de G4, c'est tour E5. Passer la tour sur H et attaquer sur H2. Et ça, c'est terrible car les noirs n'ont plus le temps de s'organiser non plus contre ça. Et c'est là que vous voyez la différence de circulation des pièces entre une tour noire qui vient se promener carrément sur une case centrale comme ça pour basculer de l'autre côté de l'échiquier sur H. Et les blancs, c'est à eux de jouer. Ils ont quand même un coup pour s'organiser, mais ils ne peuvent pas enlever cette attaque de mat. Alors, je regarde cette position d'ailleurs et je me dis que se passe-t-il sur le cavalier D2, cavalier F1. J'imagine qu'il va y avoir une attaque assez terrible. Peut-être que ça va être tour H5, cavalier F1, pion prend. Si on fait pion prend, il y a mat en un coup. Et si on fait cavalier prend, bon, il y a dame prend échec et ça va être potentiellement une catastrophe quelque part. Peut-être échec,
Pion prend, dame prend, menace mat, bonne chance pour le contrer. J'ai pas préparé ces variantes, hein, donc je fais un peu en improvisation et je me dis que sur F prend, il va y avoir cavalier E3, attaque la dame, attaque le cavalier qui défend le mat en H2. Cavalier prend, dame prend, roi là, pion prend, menace mat, bonne chance pour le contrer. Ou menace tour là, on va dire peut-être que ici d'ailleurs. Il y a mieux à faire comme échec, roi là, et tour mat. Voilà, presque mat. Bientôt mat, voilà, mat. Bon, quelques exemples d'attaques des noirs, que j'avais pas préparé ceux-là. Mais sur, disons, cavalier D2, on a une très jolie variante, que je vous invite à trouver en mettant la pause, comment les noirs jouent et gagnent. Bien joué si vous avez trouvé, tour prend E2, très joli coup. Très joli, on enlève le pion E2, et sur tour prend, on va faire F3 quand même. Cavalier prend, pion prend, et mat imparable. Très joli. Et la dernière variante que j'ai mis, c'est roi H1. Pour préparer une défense à base de tour G1, tour G2, mais regardez, tour E5, tour G1. Donc ça circule péniblement côté blanc, circule à l'arraché pour essayer d'amener la tour en défense. Mais après tour H5, tour G2, on se dit, ah oh, je tiens de justesse. Et non, F3 attaque la tour et gagne une tour minimum. Voilà. D'ailleurs, on va non seulement gagner la tour, mais on va continuer l'attaque. Hein. Bon, ben voilà, G4, c'était un coup totalement gagnant. Pas très très compliqué. On veut faire F3 pour mater en G2, ou on veut faire tour E5, tour H5 pour mater en H2 ou en H1. Et rien que là, on voit que les pièces blanches circulent beaucoup trop mal avec leur manque d'espace pour se défendre. Allez, on va terminer la partie, puisque l'autre coup gagnant, bah, c'est celui qu'a joué Maxime Rothstein dans la partie sacrifice. Tour prend E4, bien joué. Pion prend E4 forcé. Voilà, alors c'est toujours mieux de commencer par les coups les plus forçants. Hein. Donc tour prend E4, on prend une pièce. Donc s'il prend pas, bon, bah, elle est une pièce de moins, il peut signer la feuille de partie. Hein. Donc il prend. Et maintenant, cavalier E3 attaque la dame et menace mat. Bon, pareil, il a pas trop de choix. Il peut faire son échec maintenant ou après. Ça change pas grand-chose. Faudra qu'il le fasse un jour. Il a pris... Et l'idée de Rothstein, et donc c'est la pointe bien sûr. Alors voilà, ça c'est la variante que si vous avez fait tour prend E4, vous devez essayer de calculer le plus loin possible. Je vais vous faire un autre petit stop dans un ou deux coups pour que vous ayez une deuxième chance, essayer de la recalculer jusqu'à la fin, en version un peu moins compliquée bien sûr, parce qu'il y aura eu quelques coups qui auront été joués. Donc la pointe déjà c'est F prend G bien sûr, menace dame prend H2 dame, F2 mat à moins qu'on préfère dame H1 mat, donc échec. Roi H8, attention, là, faut bien choisir la case. Hein. Roi H7, c'est pas une très bonne case, puisque potentiellement, si la dame vient un jour, elle pourra nous donner un échec sur F5. Alors que là, il n'y a personne qui va venir nous donner un échec sur la diagonale de notre propre fou. Donc, Roi H8, bien joué. H prend G obligé. Dame prend échec, Roi F1. Et là, voilà, le deuxième stop. Je vous invite à calculer la variante gagnante jusqu'au bout. Donc, ça, même si on a avancé déjà de 5 coups par rapport à tout à l'heure, ça reste pas si simple que ça. C'est un bon exercice pour vous. Donc, je vous invite à calculer jusqu'à la fin de la partie. Il faut calculer la variante en entier. Et attention, bien sûr, ne croyez pas que les blancs sont sans ressources. Ils ont des ressources et c'est à vous de les trouver. Alors, c'est une variante de nouveau de 5 coups qu'il fallait calculer. 6 coups même, on peut dire, pour les noirs. C'est 6 coups noirs et 5 coups blancs. Donc... Puis on prend E3, menace mat. Alors ça a l'air terrible. Hein. Alors bien sûr, pas tour F8, échec. Qui aurait pu être mat dans d'autres circonstances, mais il y a le fou qui veille en B4, donc ça ne marche pas. Donc bien sûr, c'est toute l'idée. Alors évidemment, hein, les deux joueurs, hein, sans doute les deux joueurs ici, à partir de cavalier E4 même, ont calculé tous les deux ces variantes. Hein. Ils ont largement la capacité de calcul pour calculer une dizaine de coups qui sont forcés pratiquement tous dans cette position. Donc pas de problème. Donc après, tour prend, pion prend, cavalier 3, échec, roi H8, H prend, dame prend, roi F1, non pas tour F8 bien sûr, mais des prend E3, menace mat en F2. Et la ressource défensive qu'il fallait anticiper et trouver, c'était dame F7 bien sûr. Et là, on pourrait se dire quand même, mais l'attaque des noirs ne passe pas. Puisque on défend le mat, et on va même revenir, et il n'y a jamais tour F8 parce qu'il y a toujours le fou en B4. Alors, si vous n'avez pas trouvé cette variante... tout à l'heure, eh bien, vous pouvez remettre la pause pour chercher maintenant comment terminer le job avec les noirs. Ça reste pas si simple. Et donc, c'est dame H3 échec. Si vous avez joué C5, c'était une assez bonne idée avec l'idée
de faire ce tour F8 pour gagner la partie. Malheureusement, ça ne passait pas, puisqu'il peut faire fou prend C5. C'est pas assez rapide, en fait, C5. C'est trop gentil comme coup. C'est un peu naïf. Et il prend, il fait tour à C1, et la tour n'arrive pas à faire ce qu'elle veut, et on n'arrive pas à amener les renforts, et c'est pas clair. Peut-être on va devoir un échec perpétuel, ici. Dame H3 échec, c'était beaucoup mieux, donc voilà. Dame H3 échec, roi G1 obligatoire, et les renforts arrivent. Le fou E5, comme on a plus d'espace, on peut amener des pièces dans l'attaque plus facilement. Donc le fou arrive, menace Dame H2, Dame H1 mat. La dame revient en catastrophe. Et ici, ben c'est pas si simple de mater. Il fallait avoir anticipé une variante qui est fou H2 échec. Donc si on fait dame H2 échec, il fait roi F1 et on n'a pas échec, on n'a pas échec, on n'a pas échec, on n'a rien, on n'a pas tour F8, on n'a rien. Voilà. Donc là, on, probablement, on ne gagne pas. Donc dame F3, fou H2 échec bien joué, un classique. Roi obligé d'aller en H1. Fou G3 échec, le classique qu'il faut absolument couvrir pour pas qu'il prenne la dame. Faites très attention quand vous faites une découverte. Si vous faites par exemple échec, en vous disant échec à la découverte et vous êtes très content. Et là, il prend votre dame. Et vous n'êtes plus content. Donc méfiez-vous. Donc fou G3 échec bien sûr. On couvre la dame, roi G1 obligatoire. Et le coup final qui n'était pas si simple car on ne rencontre pas si souvent. Dans ce schéma en général, il n'y a pas la dame blanche par exemple. Et on enchaîne dame H2, dame F2 ou dame H2, dame F1, dame H1. Voilà. Mais là c'est fou F2. Voilà, on utilise le pion. Pion qui nous sert, hein. Le pion est une unité d'attaque. La preuve. Et alors si vous savez quoi, ironie du sort. Qui est ce pion? Eh bien, c'est le pion E, qui a fait E5, qui s'est mis dans le centre au début, comme le docteur Tarache lui avait conseillé. Il a repris en D4, il a arriéré le pion E2, c'est lui, pratiquement, qui fait gagner la partie au noir, hein, puisqu'il a contrôlé beaucoup de cases, il a restreint beaucoup les pièces blanches, il a pris l'espace, c'est grâce à lui que les noirs ont pris l'espace central, ils avaient toutes les cases derrière pour manœuvrer. Et puis, à la fin, il prend E3, le cavalier qui s'est sacrifié sur E3, et à la fin, le pion reprend et il permet ce fou F2 final. Donc c'est quand même beau que ce pion qui a fait la majeure partie du travail au niveau de la prise d'espace, ça c'est grâce à lui qu'on puisse placer ce fou F2 échec qui gagne la dame. Il y a eu abandon de Christian Bauer, malheureusement pour l'équipe de France. Après fou F2, dame prend, pion prend, roi prend, pion C5, cette fois on peut le faire et préparer ce tour F8. Oula. Elle veut pas y aller. Tour F8 et on va amener la dernière pièce finalement à l'attaque. Il n'y a même pas fou C3 échec puisqu'on prend. Donc le fou doit aller quelque part. Et puis après tour F8 échec, le roi doit partir. On fait dame G3 échec, le roi va dans le coin. On fait tour F2, on menace mat imparable. Voilà pour cette belle victoire de Maxime Rothstein. Alors vous avez vu son style de jeu. Hein. Donc on retiendra quoi surtout? La prise d'espace. Et vous avez vu avec ce pion en D4 qui embêtait l'adversaire. Donc ça c'est un exemple très intéressant, qui nous montre à quel point la prise d'espace peut nous rendre service et nous permettre de faire des choses qu'on ne pourrait pas forcément faire si on n'avait pas l'espace, comme par exemple avancer les pions du roc et déclencher une attaque, mais aussi nous permettre surtout de faire circuler nos pièces de manière beaucoup plus libre que l'adversaire, c'est le cas ici. Donc grâce à ça, il a déclenché une attaque qui s'est terminée en 13 coups à partir de là. Là c'était 28e coup F4 et puis la partie s'est achevée au 40e coup par une attaque dévastatrice qui gagne la dame et qui continue l'attaque. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à vous abonner pour recevoir des notifications des prochaines publications. Il y en aura prochainement. À laisser un like si vous avez aimé cette vidéo. Si vous trouvez que ces vidéos gratuites qui vous sont donc proposées totalement librement vous aident à progresser aux échecs, vous tout simplement vous divertissent tout en quand même vous faisant apprendre des choses en même temps, n'hésitez pas à participer au soutien de la chaîne avec le Tipeee qui est aussi dans la description. Donc dans la description, eh bien, je vais mettre tout simplement le lien de la masterclass qui a lieu le 28 novembre. Là voilà. Donc sur le site Egg One School, il faut se créer un petit compte sur Egg One School, c'est assez rapide. Et puis ensuite on peut s'inscrire. Voilà, donc il y a un nombre de places limité mais qui peut être augmenté si nécessaire. Sachant, et c'est important, que si vous n'êtes pas là le 28 novembre à 21h, c'est pas un problème car vous recevrez le lien privé de la vidéo et bien sûr tous les inscrits recevront aussi une base PGN avec tous les exemples qu'on aura vus
pendant cette masterclass qui dure à peu près 2 heures. Bon, souvent on fait du rab, on fait 2h15, 2h30. Voilà, on regarde un maximum d'exemples. Si vous êtes en direct à 21h le mardi 28, eh bien vous pouvez carrément poser vos questions, faire vos remarques dans le chat. Voilà, je pense que j'ai été complet. N'hésitez pas à laisser un commentaire à cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut !